Mon cher fils, Dieu te parle. Cette vidéo est un signe des anges, indiquant que tu célébreras bientôt quelque chose de vraiment spécial. Si tu crois en Dieu, alors toutes les personnes qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin recevront bientôt de merveilleuses nouvelles. Cette semaine, une porte s'ouvrira et tu te trouveras dans une situation où tu n'auras pas besoin de demander ou de supplier pour quoi que ce soit. Dieu dit qu'il a ouvert pour toi une porte que personne ne peut fermer. Rien ne peut empêcher le plan divin pour ta vie. Dans le monde moderne, le Seigneur est bon et est un refuge le jour de l'adversité. Si tu crois au plan de Dieu, tape 1111. D'ici la fin du mois de juin, tu auras une opportunité en or. Quelque chose de surprenant et de merveilleux est en route. Tous tes rêves se réaliseront bien avant que tu ne l'imagines. Dieu a dit que la douleur finira, les larmes cesseront et la porte s'ouvrira. Un miracle est en approche, les prières de ta grand-mère continuent de te protéger. Dieu t'élève pour un retour miséricordieux à ta vie. Des anges ont été envoyés en ton nom et tes prières ont été entendues. Dieu envoie de l'aide, tout ce que tu as à faire est de lui faire confiance. Si tu fais confiance à Dieu, tape 1010. Même si tout semble difficile en ce moment, tu sens dans tout ton être qu'une vague de bénédiction est sur le point d'entrer dans ta vie, et tu n'as pas tort, elle est déjà en route. Bientôt, tu recevras une grande somme d'argent, une bénédiction qui sera suffisamment grande pour changer complètement ta vie pour le mieux. Dieu enverra des bénédictions inattendues, des solutions, de la guérison, de l'amour et de la positivité. Tu es en ligne pour un grand miracle qui changera ta vie et bientôt tu seras plus heureux que jamais. Si tu en as besoin depuis longtemps, tape 222. C'est un signe de l'univers qui dit que tu attires l'amour véritable dans ta vie. Dieu montrera le chemin, mais c'est à toi de lui faire confiance. La période d'attente est terminée et une période dorée est sur le point de commencer. Dieu te dit de ne pas t'inquiéter, car tes problèmes sont entre ses mains. Quand la tristesse remplit ton cœur et que les larmes coulent sur tes joues, souviens-toi toujours de trois choses. Dieu est avec toi, Dieu ne t'a pas abandonné et Dieu est toujours à tes côtés. Si tu crois en cela, tape 333. La période d'attente est terminée et la période des grandes promesses est sur le point de commencer. Dieu nous console en disant que nous n'avons pas à nous inquiéter, car il a nos difficultés entre ses mains. Quand la tristesse s'installe dans notre cœur et que les larmes tombent de nos yeux, il est important de toujours se rappeler trois choses. Dieu est avec nous, il ne nous a pas abandonnés et il sera toujours à nos côtés. Si tu crois en cela, tape 333. Sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne te décourage pas, car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi où que tu ailles. Si tu pardonnes aux autres, alors ton Père Céleste te pardonnera pour tout le mal que tu as fait. Dieu dit que tu as le pouvoir de créer ta propre réalité. Tu as la capacité d'attirer tout ce que tu désires et de réaliser tes rêves financiers. Tu as le pouvoir de vivre en abondance et en harmonie, d'être libre et indépendant. Dieu dit que tu accompliras ce que tu as commencé dans ta vie. Les obstacles que tu as rencontrés se transformeront en moments de joie immense et de célébration. Tu seras surpris par sa bonté et sa bienveillance. Au lieu de t'inquiéter, prie pour tout et exprime-lui tes besoins. Sois reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait pour toi dans ta vie. À un rythme accéléré, beaucoup de choses merveilleuses se passent. Tu grandis mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement et financièrement. Aujourd'hui, Dieu fera quelque chose de si significatif dans ta vie que cela surprendra tes ennemis et apportera une grande joie. Tu es un enfant précieux et aimé de lui. Dieu dit à toute la famille que quelqu'un est en train de briser le cycle de la pénurie. Cette personne qui regarde cette vidéo maintenant est un enfant aimé. Pour toi, cette année sera un temps de restauration et de croissance. Dieu restaurera vos relations, votre santé et vos finances.
Votre situation financière se multipliera et vos relations s'amélioreront. Tapez 444 pour confirmer. Jésus promet que l'argent viendra sans effort et sans limite, apportant une vie d'abondance. Le Seigneur déclare que cette semaine apportera un flux continu de prospérité, car des bénédictions inattendues, de l'amour et de l'argent viendront à vous avec une vitesse extraordinaire. L'argent que vous dépenserez vous reviendra multiplié par 10. Dieu vous donnera tellement d'argent que vous pourrez le garder pour vos enfants et petits-enfants. Cela apportera une croissance spirituelle et financière, conduisant à la guérison et à l'amélioration de vos finances, de votre famille et de vos relations. Cela se produira au nom de Jésus, tapez 2121 si vous croyez en cela. Dieu dit qu'il est ici pour guérir vos blessures et améliorer votre situation financière. Sachez qu'il est avec vous, il améliorera votre santé, renforcera vos relations et multipliera vos finances. Chers enfants, faites confiance à Dieu et croyez qu'il est un Dieu restaurateur et renouvelant. Il est sur le point d'ouvrir la porte pour laquelle vous avez prié avec ferveur. Les 7 prochains jours seront extraordinaires, vous êtes sur le point d'entrer dans une saison de miracles illimités et de bénédictions qui changent la vie. Tapez 1212 pour revendiquer cela. Dieu dit qu'il vous bénira de manière inimaginable. Il transformera votre pénurie en abondance, votre lutte en une histoire de triomphe et votre confusion en clarté. Ne pensez jamais que vos prières n'ont pas été entendues. Vous servez un Dieu qui non seulement entend vos prières, mais y répond aussi. Soyez patient et sachez que le Seigneur prépare le chemin pour vous. Prions ensemble. Père Céleste, je suis reconnaissant pour les bénédictions transformatrices qui viennent à moi. Je crois que vous avez de merveilleux plans pour mon avenir. Je vous confie toutes les zones de ma vie. Utilisez-moi pour apporter des bénédictions à la vie des autres. Je suis prêt à investir mon temps, mes talents et mes ressources dans des choses qui aideront les autres à réussir et à glorifier votre nom. Tapez 555 pour confirmer. Dieu dit, « Mon fils, tu es un enfant merveilleux et tout ira bien pour toi, car tu mérites une vie merveilleuse sans souci. Votre temps difficile se terminera ce week-end. Soyez donc prêt pour un nouveau départ merveilleux. Le nouveau départ que vous attendez depuis si longtemps est enfin arrivé. Sachez que le stress, la confusion et les nuits sans sommeil se termineront bientôt. L'univers remplacera tout cela par de la clarté, de la paix et de l'intégrité. Bientôt, vous serez surpris de la façon dont tout s'est soudainement mis en place en votre faveur. Vous comprendrez que votre situation actuelle ne faisait que conduire à une bénédiction. Tapez 999 si vous croyez en cela. Dieu dit, « Je sais que vous pouvez vous fatiguer, mais portez votre croix pour moi, non seulement le dimanche, mais tous les jours de votre vie. Faites-le pour moi, faites-le pour vous et vous expérimenterez une abondance de bénédictions. Dieu a déjà une solution aux problèmes qui vous préoccupent. Il a des anges qui vous observent, il a de la faveur autour de vous et il bénira votre vie de telle manière que les circonstances et les personnes ne pourront pas l'empêcher. Ce nombre est une confirmation que vos affirmations positives et vos prières ont été entendues. L'amour et la puissance de Dieu sont avec vous. Le Seigneur, votre Dieu, est celui qui va avec vous pour combattre vos ennemis et vous accorder la victoire. Quelque chose de merveilleux vous attend. Ne vous inquiétez pas de l'apparence des choses maintenant, en coulisses, des progrès sont en cours et tout est en train de changer. Affirmez que votre période dorée commence maintenant, car la bénédiction des anges est avec vous cette année. Vous aurez un grand succès, ce sera la meilleure année de votre vie. Il est beaucoup plus facile pour Dieu de mettre les bonnes personnes dans votre vie lorsque vous êtes prêt à laisser partir celles qui ne se soucient pas de votre croissance spirituelle. Père Céleste, je te remercie pour le nouveau jour, la nouvelle semaine pleine de détermination, d'opportunités et de moments que toi seul peux voir. Merci de voir mon chemin et de me soutenir si je tombe.
Je sais que tu ne vas pas seulement devant moi, mais que tu marches aussi avec moi. Je ne peux faire qu'un pas à la fois, alors aide-moi à vivre chaque moment en sachant que tu es proche. Ton Saint-Esprit habite chaque moment, me donnant du réconfort, des conseils et une direction. Je te remercie pour ta grâce et ta présence, je demande des conseils et de la gratitude pour marcher dans ta lumière aujourd'hui. Au nom de Jésus, le Tout-Puissant et Doré, Amen.